chers apprenants. Je suis M. Aristide Lebongui, professeur de philosophie. Alors, comme toujours, nous allons continuer notre voyage intellectuel. Ce matin, nous parlerons du criticisme. Il ne faut pas ignorer, lorsque nous avons amorcé cette partie titrée « Les théories de la connaissance », nous avons dit « Ce sont ces théories philosophiques portant sur les sources ou les origines de la connaissance. » Entre autres, nous avons cité l'empirisme, le rationalisme, et enfin le criticisme. Bien, nous avons déjà étudié le rationalisme et l'empirisme. Ce matin, nous allons étudier, donc boucler cette partie à travers l'étude du criticisme. Voilà pourquoi, chers apprenants, à la fin de la séance portant sur le criticisme, chacun de vous, en tant qu'apprenant de la classe de terminale, doit être capable de caractériser tout le criticisme à partir de l'exposé du professeur. Mais j'aimerais d'abord vous faire part des deux doctrines que nous avons étudiées précédemment. Donc, le rationalisme et l'empirisme. Au niveau du rationalisme, nous avons dit la connaissance vient de la raison. Autrement dit, la connaissance est innée. La connaissance est innée. Alors, qu'en est-il de l'empirisme? Bien, au niveau de l'empirisme, nous avons dit que la connaissance vient de l'expérience sensible. Autrement dit, les organes de sens. Et la nature de la connaissance ici, la connaissance cesse d'être innée, elle devient acquise. Voilà, acquise, c'est la connaissance qui est acquise. Alors, du coup, on comprend l'opposition entre ces deux doctrines. Le rationalisme a disqualifié les organes de sens pour privilégier la raison. Mais l'empirisme, lui, il va mettre en avant l'expérience sensible, c'est-à-dire les organes de sens, pour oublier quoi? La raison. Alors, qu'en est-il du criticisme? Alors, pas critique, mais criticisme. Voilà. Voilà, criticisme et non critique. Alors, le criticisme, regardez bien ce mot, cette doctrine. Alors, si vous regardez attentivement ce terme, vous constaterez avec moi que dans criticisme, il y a deux mots. Il y a d'abord critique et isme. Alors, isme symbolise quoi? La doctrine, le courant. Et de l'autre côté, nous avons la critique. Alors, et le criticisme ici
est cette doctrine philosophique créée par Emmanuel Kant. Et cette doctrine est essentiellement critique. Elle vise la critique de la raison et de la valeur de la connaissance. Alors, nous allons mettre la définition du criticisme au tableau. Voilà. Chers apprenants, je vous ai dit que ce matin nous allons parler du criticisme. Nous allons caractériser le criticisme. Et nous l'avons défini comme cette doctrine créée par Emmanuel Kant et basée sur la critique du pouvoir de la raison. Alors, avant de parler du criticisme, nous allons d'abord revenir sur Emmanuel Kant. C'est qui Emmanuel Kant? Alors, Emmanuel Kant est un philosophe allemand du XVIIIe siècle. Il est né en 1724 et mort en 1804. Alors, 1800, c'est déjà le 19e siècle. Mais il est considéré comme le philosophe du XVIIIe siècle parce que sa pensée est influencée par le XVIIIe siècle, autrement dit, le siècle des Lumières. Bien, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la position d'Emmanuel Kant au sujet de la question de l'origine de la connaissance ? Par quel moyen l'homme accède-t-il, l'homme acquiert-il la connaissance? Alors, Emmanuel Kant prend une position tout à fait contraire des deux précédentes doctrines. Dans le processus de la connaissance, le criticisme critique d'une part le rationalisme. Pourquoi? Parce que le rationalisme, en privilégiant la raison, a disqualifié, a écarté les organes de sens dans l'acquisition du savoir. Il critique aussi l'empirisme. Pourquoi? Parce que l'empirisme, en considérant l'expérience sensible comme le fondement de nos connaissances, a semblé négliger la raison. Voilà pourquoi Emmanuel Kant dit « Pour qu'il y ait connaissance, il faut absolument associer, unifier ces deux facultés, à savoir la sensibilité et la raison. » La connaissance devient ici un schéma. La connaissance résulte ou la connaissance découle du schéma sensibilité-entendement. La connaissance découle du schéma sensibilité-entendement. Alors,
Quand nous parlons du Shem, ici nous voyons quoi? Nous voyons une construction. Donc la connaissance devient un schéma, la connaissance devient un processus, la connaissance devient une construction dont il faut unifier à la fois les organes de sens et la raison. Alors pour être plus explicite, voici ce que Emmanuel Kant écrit dans la critique de la raison pure. Critique de la raison pure. Alors, si vous prenez cette édition, Garnier Flammarion, à la page 110, voici ce qu'il écrit. Sans la sensibilité, nul objet ne nous serait donné. Sans l'entendement, nul ne serait pensé. Sans l'entendement, nul ne serait pensé. Des pensées sans matière sont vides. Des pensées sans matière sont vides. Des intuitions sans concept sont aveugles. Voilà. Nous allons rapidement examiner cette pensée. Sans la sensibilité, nul objet ne nous serait donné. Sans l'entendement, nul ne serait pensé. Des pensées sans matière sont vides. Des intuitions sans concept sont aveugles. Alors, nous avons dit qu'avec Emmanuel Kant, il faut associer quoi? La sensibilité et l'entendement pour qu'il y ait la connaissance. Contrairement au rationalisme qui prend seulement, uniquement l'entendement ou la raison, et à l'empirisme qui a mis en avant la sensibilité et a semblé oublier l'entendement ou la raison. Nous avons dit au départ que Emmanuel Kant critique ces deux premières doctrines. Sans la sensibilité, ici nous avons l'expérience sensible,
Donc, les organes de sens. Nul objet ne nous serait donné. Autrement dit, c'est par l'entremise des organes de sens que nous rentrons en contact avec le monde extérieur, avec les objets qui nous environnent. Alors, à ce niveau, Emmanuel Kant critique le rationalisme pour avoir disqualifié les organes de sens. Donc, il donne raison en partie à l'empirisme et il critique le rationalisme. On continue. Sans l'entendement, nul ne saurait penser. Mes sens peuvent percevoir, capter les objets, oui, mais cela ne veut pas dire que j'ai la connaissance. Pour que j'aie la connaissance, je dois approfondir cette information au moyen de la réflexion. Et c'est en ce moment-là que l'entendement doit intervenir. Donc, sans l'entendement, nul ne saurait penser. Alors, à ce niveau, Kant accorde du crédit au rationalisme et critique l'empirisme. On continue. Des pensées sans matière sont vides. Mais les pensées doivent avoir un contenu. Les pensées doivent avoir un contenu. Lorsque vous nommez quelque chose, voyez, vous voulez donner un nom. Mais le nom doit avoir un objet. Le nom ne peut pas venir du néant. Le nom est nom de quelque chose. Voyez, le nom de l'objet. Mais quand vous nommez, mais il n'y a rien, ça veut dire que ce nom n'a pas de sens. Alors, donc, à ce niveau, Kant procède toujours à la critique, cette fois-ci la critique de quoi? Toujours du rationalisme, pour dire que les pensées, donc, la raison doit avoir un contenu, l'objet. Des intuitions sans concept sont aveugles. Vous voyez? Voilà. Quelle est la faculté que nous donne la matière, que nous met en contact de l'objet? C'est la sensibilité. Mais quelle est la faculté qui conçoit les concepts? C'est la raison. Les intuitions sont, concepts sont aveugles. Intuition ici nous renvoie à quoi? À la sensibilité, à l'objet. Chers apprenants, quand vous dites, vous connaissez, regardez bien ce document. En le voyant, vous allez dire que c'est un document. Oui, mais il ne suffit pas de dire que c'est un document. Pour que vous ayez la connaissance de ce document, il ne suffit pas de voir ce document pour dire que vous le connaissez. Pour connaître ce document, il faut absolument le nommer. C'est pourtant dire, vous avez vu le document, oui, mais cela ne suffit pas. Il faut donner un nom. Mais pour donner un nom, on n'a pas besoin des organes de sens. Le nom vient de quoi? Le nom vient de la raison. Donc, connaître un document, c'est le voir ou l'appréhender par les organes de sens et le nommer. Si vous vous limitez seulement à ce que vous avez perçu par les sens, il n'y a pas de connaissance. Alors, si vous nommez, mais sans pourtant que vous ayez l'objet, il n'y aura pas aussi de connaissance. Donc, percevoir et concevoir doivent aller de pair. Mais Kant ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Après avoir critiqué de part et d'autre, alors Emmanuel Kant nous dit, ni la sensibilité seule ne peut garantir la connaissance, ni l'entendement seul ne peut garantir la connaissance. Il faut absolument les mettre ensemble. Et aucune de ces deux facultés n'est préférable à l'autre. Pourquoi? Parce que les sens ne peuvent pas penser. Si je veux penser, j'aurai besoin de quoi?
de l'entendement. Bien, on va relire la pensée. Toute notre connaissance commence par les sens, passe de là à l'entendement et finit par la raison. Il n'est pas en nous de faculté. Voilà. On enlève S. Il n'est pas en nous de faculté au-dessus de cette dernière pour élaborer la matière de l'intuition et pour la ramener à la plus haute unité de la pensée. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici, chers apprenants, dans cette pensée, Emmanuel Kant nous présente trois concepts clés. Le premier, la connaissance commence par les sens. Donc, je mets ici la sensibilité, les organes de sens. Alors, si la connaissance commence par les sens, elle ne finit pas toujours au niveau des sens. Elle suit un processus. Après les sens, la connaissance arrive à l'entendement. Après l'entendement, Kant dit, est fini par la raison. Donc la raison devient le point d'achèvement. Mais quel est le rôle de la sensibilité? Emmanuel Kant dit, la sensibilité permet de percevoir. On perçoit à travers les organes de sens. Et l'entendement fait quoi? L'entendement appréhende. Donc, appréhender. L'entendement appréhende quoi? L'objet perçu par la sensibilité. Et enfin, la raison, la faculté des concepts, de concevoir, la raison nomme. Voilà. Donc, si vous vous limitez au niveau de la réception de l'objet, au moyen des sens, on ne peut pas parler de la connaissance. Donc, dès que vous captez l'objet à travers les sens, bien, l'information doit arriver d'abord au niveau de l'entendement et l'entendement renvoie au niveau de la raison et c'est la raison qui doit conceptualiser. La raison apparaît ici comme la faculté qui unit quoi? Qui unit la pensée et la faculté supérieure. Et donc, il n'y a pas de connaissance en dehors de concept. Il n'y a pas de connaissance en dehors de concept. C'est pour autant dire, il ne suffit pas de voir, il ne suffit pas de toucher, mais il faudrait que l'homme arrive à conceptualiser les objets perçus par les organes de sens pour qu'il y ait la connaissance. Alors, chers apprenants, au terme de notre cours sur les théories de la connaissance, qu'est-ce qu'il faut retenir? Voici un deuxième schéma.
théorie de la connaissance. Nous avons étudié combien de théories? Trois théories. La première théorie que nous avons étudiée, c'est le rationalisme. Ici, la connaissance vient de la raison. Connaissance égale œuvre de la raison. Alors, du coup, les sens sont disqualifiés. La deuxième doctrine ou théorie, il s'agit de l'empirisme. Alors, à ce niveau, nous avons retenu que la connaissance émane de l'expérience sensible. Autrement dit, sentir, c'est connaître. Les sens garantissent le savoir. Alors, Emmanuel Kant arrive. Il critique d'une part le rationalisme et d'autre part l'empirisme. Il fait en quelque sorte la synthèse. Il concilie ces deux doctrines qui s'opposent. Voilà. Kant vient unifier quoi? Vient unifier la sensibilité et la raison. Donc, sans l'union entre les deux, il n'y a aucune connaissance. Alors, voici un sujet de réflexion. J'espère que vous avez déjà fini de noter. Sujet. Sentir. Est-ce connaître? Sentir, est-ce connaître? Autrement dit, la connaissance vient-elle des organes de sens? Bien, nous comprenons que le sujet parle de la connaissance et pose le problème de l'origine de la connaissance. Au niveau de la thèse, nous allons montrer avec les empiristes, en l'occurrence John Locke et David Hume, que la connaissance est l'œuvre de l'expérience sensible, autrement dit des organes de sens. Le contre-pied avec les rationalistes pour montrer qu'attention, les sens nous trompent. Les sens ne se portent que sur les apparences. En réalité, c'est la raison qui est et qui demeure la source de la connaissance la plus fiable. Et enfin, au niveau de la synthèse, nous avons le criticisme avec Emmanuel Kant
qui, pour lui, la connaissance résulte de l'union entre la sensibilité et l'entendement. Sans cette union, pas de connaissance. Voilà, chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de la séance de ce jour. Mais prochainement, nous allons étudier une autre notion, toujours sur la connaissance, et cette fois-ci, nous allons examiner le but et l'importance de la connaissance. Donc, petit 3, but et importance Bien, merci d'avoir été nombreux à nous suivre depuis votre écran. J'espère que d'ici peu, nous allons encore nous retrouver pour continuer le voyage que nous avons déjà amorcé. Au revoir.